Bonsoir, bonsoir, je suis un buisson. J'espère que vous allez bien. Moi, ça ne peut qu'aller car je suis en week-end, week-end de 3 jours. Alors, on reprend avec Bison aujourd'hui. Je vais rester dans le Hop. Ok, ça roule un peu n'importe comment. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai obtenu, j'ai appelé tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une annonce sur Discord comme quoi le groupe 6 recrute. J'ai dit que j'allais tenter ma chance en attendant, vu que j'ai pas pour l'instant de nouvelles de la police. J'ai fait du farm au niveau de la cimenterie. Qui fait que maintenant au moins j'ai de l'argent. Et mon véhicule par contre se situe, je suis moi ici, mon véhicule est là-bas. Donc on va vous appeler un taxi. Hop, entreprise. Je les ai loupés, non c'est le plus bas. Tac 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 tac, non je les ai loupés. Hop, message sans position. Bonsoir. Taxi est-il disponible? Mener. Nord. Situé en 1003. Merci à vous. Hop, non, c'est pas ça, c'est ça. Hop, puis on verra. C'est quelqu'un. En attendant, on va marcher vers le parking. Ou au pire, on peut louer un vélo. Bon, l'avantage, je peux faire du vélo, mais là, vélo sous la neige, RP parlant. Perso, il est pas super motivé. Là, est-ce que... Du coup, je disais, j'envoie un message au groupe 6 pendant que je faisais mon petit farm tout à l'heure pendant 50 minutes. Ça prenait 50 minutes pour gagner à peu près 1000$. Le type m'a appelé pour demander si j'étais disponible. Il dit que pour l'instant, c'était un peu compliqué, que j'ai pas de véhicule. Il doit me rappeler vers 21h. Il me laisse 1h20 pour récupérer ma voiture. Si vous pouvez aller récupérer des médicaments, voire de la nourriture, parce que j'ai pas mal consommé ce que j'avais dans mes poches. Je vois le message, je vais dire que je l'ai jusqu'à 45 pour être contacté par un taxi. Et si je suis pas contacté, je prendrai un vélo.
Elle est prise en compte. Ah bah, taper. Pas trop fort. Alors, je suis où là? 3021. Ok. Restons là pour l'instant. On peut se mettre à l'abri peut-être par là sinon. Se mettre à l'abri. Alors, restons 3021. Parce qu'en fait, mon véhicule a dépop. Quand ça a dépop, ça retourne dans le parking où on l'a enregistré et où on l'a mis la fois précédente. Pas de fourrière d'ailleurs, ouais, attendez. On va réfléchir, il y a une fourrière. Ah ouais. Il y en a trois. Ok. Ok, moi ils me l'ont remis là-dessus parce qu'en fait, je savais pas que ça allait dépop, pour moi c'était persistant, je savais pas comment ça fonctionnait, donc j'avais pris ma voiture, je l'ai garée en face de ce truc-là, du coup le boot job d'intérim que j'ai maintenant, qui consiste à aller récupérer quelque chose ici, donc du gravier, à le transformer en ciment là, et à le vendre là. Quand je suis revenu, ma voiture avait dépop. Le truc c'est que, en fait ça a dépop parce qu'il n'y avait plus personne dans la zone, je pense, parce que j'ai fait deux fois le trajet, c'est la deuxième fois que le véhicule y était plus. Donc j'ai juste eu pas de chance, il n'y avait plus personne dans cette zone pour assurer la présence. Attendez, c'est de la neige là. Je peux traverser, ok. On va pas le faire. Je peux pousser la brouette. Non. Bon, ça j'ai pris en compte, je sais pas. On va attendre. Que vu que le truc a marqué votre appel est pris en compte, je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir. Même s'il m'a pas appelé. Que si je me barre alors que le mec il est en route, pas cool. Vaut mieux patienter que de prendre le risque de faire chier un autre joueur. Principe de RP. Que je me vertue à suivre. Visite, rien de particulier ici, juste la déco de Noël forcément. Ah oui, c'est sur tous les poteaux électriques en fait qu'ils ont mis, c'est un truc automatique je pense, sans pas embêter à prendre tous les poteaux et à mettre individuellement la déco, comme les arbres. Quoique, je sais pas. Ouais, je vois. Est-ce qu'ici y a un grand arbre sur lequel il n'y a pas de déco, c'est qu'ils sont vraiment embêtés à tout faire manuellement. Genre cela, c'est étonnant par exemple s'il n'y a rien. Ouais, ils sont peut-être embêtés vraiment. Pourquoi ils auraient mis sur cela et pas sur cela? C'est quoi, c'est le fuel ça? C'est pour les bateaux. C'est la location de l'Oubat, je vais juste regarder combien ça me coûterait. Je crois qu'il y a une caution à 120. Si tu es le vélo. Ou un vélo. 10$ pour 10 minutes, oui, donc ce serait 10$. Nickel. Allô, oui. Oui, bonjour, où est-ce que je vous récupère? Je suis au niveau du parking de Sandy Shore. Est-ce que c'est le parking en 3022? Alors attendez, je regarde. Ouais, je viens. Absolument, c'est lui. Nickel. Je suis là dans 30 secondes. Oula, c'est rapide. Ouais, je suis le meilleur. Allez, à tout de suite. Ah merde, comment je raccroche? Comment je raccroche? C'est vous. J'ai déjà eu le souci. Je sais pas comment faire. Il disparaît au bout d'un moment peut-être, je sais pas. On va voir. Bah non. Hein. Bon, c'est un peu gênant, mais pas dramatique.
Et bonsoir. Montez, bonsoir. Merci à vous, commencez à avoir frais. Oui, je vous doute bien. Où est-ce que je vous emmène du coup? Le parking en 1003, là-bas qui est ma voiture. Le parking en 1003, c'est où ça? C'est là-haut, non? C'est au nord, oui, tout à fait. Vous prenez l'autoroute vers Paléto et c'est... Bah, faut s'arrêter avant. Tout va bien. Hop. Nous sommes partis. Ouais, je mets ma ceinture quand même. Ouais, important, oui. Bon, pas que je doute de votre conduite, mais on n'est jamais trop prudent. Ah non, surtout avec la neige, on n'est pas à l'abri d'un accident. Absolument. Est-ce que c'est vous qui pirez la course ou est-ce que vous avez un code à me filer? J'ai un ticket de nouvel arrivant. Ah, parfait. Bienvenue à Los Santos. Bah merci. Oh. On m'a vendu le soleil, je me suis un peu fait arnaquer. Alors le soleil, sûrement, ouais, pas en hiver, hein. Ouais, mais ça on m'avait pas dit, j'ai pas vu ça. Sur les cartes postales, il y avait pas les filles en bikini sous la neige. Et pourtant elles sont quand même en bikini sous la neige, hein. Elles ont pas froid. Ouais, elles sont courageuses. Ou elles ont chaud. Ou elles sont un peu cons, je sais pas. Au choix. C'est peut-être un mélange des trois. Vous êtes maintenant que vous êtes en ville? Oh, je suis arrivé il y a une semaine. Ah, ouais, c'est tout frais. Ouais, absolument. Et vous, ça fait longtemps que vous habitez ici? Ah, ça fait bien plus longtemps que vous, ça fait 2 semaines. Oh là là, vous êtes un vieux de la vieille, vous avez tout à m'apprendre. Exactement. Non, mais c'est que du bonheur. Bon, ça vous plaît les taxis? C'est incroyable. On se promène, on visite la ville et on rencontre plein de gens. C'est vraiment super. Ouais, j'ai hésité à postuler chez vous, mais là je vais tenter le groupe 6 ce soir. Ah, ça c'est ambitieux. Parce que le LSPD m'a mis sur sa liste d'attente. Ah oui, c'est plutôt porté sur l'action. Voilà, c'est qui? Bah, je voulais plus police pour la... rendre ma mère fière, mais en attendant, je dis que ça peut être pas mal. Groupe 6, c'est une première étape. Ah, tout à fait, oui. C'est pas bête. Eh ben, je croise les doigts pour vous, hein. Ah, merci. Là, faut que j'ai des problèmes encore avec mon téléphone, j'arrive pas à comment ça marche ce truc. Ah, qu'est-ce qui vous pose problème? Bah, j'arrive pas à le rentrer entièrement dans la poche, il est à moitié sorti. Ah, peut-être une petite sieste sera nécessaire pour ça. Je sais pas. Ouais, c'est possible. Je sais pas quand jusqu'à là. Bon, bah, je ferai ça une fois arrivé sur place. Oui. Je vais pas dormir à l'arrière, sinon je vais baver sur la banquette. Oui, tout à fait. Et il faudra surtout pas oublier de bien faire vos lacets, hein, parce qu'on peut tomber. Hein. Ah oui. Mais ça va être par là. Ouais. J'ai pas encore bien le point, mais... Ah bah ouais, comme non. Ça, vous découvrez grâce à moi. Ouais, voilà. Bon, vous pouvez vous arrêter là, il faut le reste rapide, vous inquiétez pas. Non. Je vous emmène à destination. Ah bah nickel, allez, je vais vous donner le ticket. Alors, que je le trouve dans mes poches. Un peu balade, non? Non, je suis juste vieux. D'accord. Vous verrez, ça vous tombera dessus un jour, faites gaffe. Ah, forcément, oui. Voilà pour vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à acheter une canne, vous allez marcher si jamais ça peut vous aider. Oh, pour l'instant, ça va un peu voûté, vous voyez, je me redresse de temps en temps, mais c'est vrai que bon. Ouais, j'imagine, le poids des années. Bah, et puis le froid, ça aide vraiment pas une articulation, hein. J'imagine, ouais. Bah, courage à vous, monsieur. Bah, merci beaucoup, les vieux aussi vite, je vous souhaite bon courage. Merci, vous aussi. À une prochaine, j'espère. Bah, je vais dormir dans les toilettes, moi. On va faire disparaître ce truc-là. Ah mais attendez, parce qu'il y a la position sauvegardée. La position sauvegardée, hop. Vraiment, j'arrive pas à me débarrasser de téléphone, là. Attendez. Faudrait que j'appelle... Ah si, attendez, j'avais réussi à la fois en appelant le numéro fictif, là. Hop, annulé. Ah non, ça n'a pas marché du tout. J'appuie pas sur le bon bouton, en fait. Waouh, attendez, ça sonne double, j'ai l'impression. Comment on... Je vais y arriver, faut que je trouve une solution. Là, il n'y a plus rien. Et en arrière, ah voilà. Bon, là, ça a fonctionné.
J'ai appuyé sur deux fois sur retour. Entre le échappe et le retour, échappe fait rien en fait à chaque fois. C'est soit L, soit retour, ok. Ok. Première chose, on va aller s'acheter un manteau. Ou même s'il faut passer là. Ouais, sinon je vais acheter des vêtements. Ça fait un détour. Je vais m'acheter juste un manteau. Puis une fois qu'on y sera, on verra si Human Labs est ouvert. C'est pas là. Pour récupérer des médicaments, c'est où? Ça fait entreprise Human Labs. Ouais, pour avoir des médicaments. J'ai combien de tickets de médicaments? Petit médicaments, j'en ai 6. J'en utiliserai 3. Alors, ours en peluche, guitare, canard en plastique, ce sont les cadeaux. Tous les jours, quand on se connecte, on a un cadeau. Donc, j'ai obtenu une guitare et des merdouilles. Hop. Panto. Tac. Let's go. Allons acheter un manteau. Ouais, Human Labs. Descendre dans le sud. Black Cat. Prendre de la bouffe. Et on sera de toute façon jusqu'à 21h pour l'entretien. Donc d'ici là, pas de pression. Je sais que quand j'aurai un boulot. Ah, Rhapsody qui va un petit peu plus vite que moi. Un boulot, je pourrais plus faire le truc de farm que je faisais. Sachant que je sais pas, groupe 6, pas possibilité de faire du farm seul. À mon avis, il vaut mieux toujours être deux. Ça va être un handicap. Alors je vais me faire une petite session tranquille d'une heure. Hop. Et on se garde devant. Voilà. Hop. C'est loin lui, j'ai l'impression. Hop. Et bonsoir madame. Et la bienvenue sur mes genoux à mon chat. Hop. Alors. Manteau. Voilà. Ça correspond bien. Vous êtes quelqu'un qui passe en voiture. Ouais, le premier truc va tout simple. Non, ça c'est trop. Je copie, non, pas fan. Non, bah ça, le truc grisonnant comme ça. Je peux le tourner, mon perso? Oui, je peux le tourner à la caméra, c'est mieux, je trouve. Oui, non, c'est bien ça. Je peux y faire lever les mains? Non, je peux pas. Allez, manteau en cachemire, c'est moins 80$. Quoi, pourquoi Suo? Oh, c'est bien, manteau en cachemire. Comment je l'achète? Suo. Ah, il y a un truc que je comprends pas. Ah, c'est... Ah d'accord, ok. On choisit le manteau et après on choisit qu'est-ce qu'on met en dessous. Non, bah, il était... C'était bien le truc que j'avais là. Un peu trop ça. Ouais, d'accord, non, c'est bien pensé alors. Alors chemise 26. Rien. Chemise 10, attendez, c'est quoi que j'ai à la base moi? Sort de tout, c'est une chemise blanche. Comme ça, ok. Alors, pouf, manteau, cachemire 1, donc là je valide. On garde cette chemise. Hein. Allez, let's go. Acheter, ok, ils sont sauvegardés. Sauvegarder. On va l'appeler E.
Titan écrasé, oui. Que je la renomme pas. J'ai tenu 3. Pas exactement la même chemise par contre. Ouais. Partons là-dessus. Mangeons, buvons. Hop. J'ai quelques frites. Boire. Youhou, là c'est zéro, j'en ai plein, attends, fini, je finis l'autre. Petit plaque zéro. Hop. Alors. Comment ça s'appelle, c'est tickets médicaments. 3 tickets médicaments. Hop. Inventaire, non. Hop. Entreprise. Il est où? Tac 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 tac. Human Labs. Message sans position. Soir. Est-il disposé à se voir? D'avance, merci. Voilà. Hop. Et bonne soirée, madame. Hop. Pris en compte. Il y a quelqu'un. Je pense que je peux prendre un. Ça, hein. Oui, bonsoir. Et bonsoir, Tommy de Human Labs. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Bah, très bien, très bien, très bien, et vous? Oh, ça va, j'ai froid, mais ça va. Ok. Ouais, j'ai failli me péter la gueule en disant ça. Oui, oui, faites attention, faites attention. C'est pour échange de tickets, c'est ça? Absolument. Bah, vous pouvez passer à Human, pensez à sonner, et on est sur place, donc... D'accord, bah écoutez, j'arrive, je suis là dans 2-3 minutes, je pense. Ok, ça marche. Et eh ben écoutez, pensez à sonner quand vous arrivez et à attendre qu'on vous rappelle. Oui, d'accord. Eh bien, à tout de suite, monsieur. Merci. À tout de suite. Ah non, non. Bah, je comprends pas. Comment on faut raccrocher le téléphone? Alors, bon, voilà. Déjà, hop. Montez dans la voiture. Hop. 9. Puis, bah, on va refaire ma stratégie de téléphoner à un numéro fictif. Jusqu'à ce que ça me raccroche le nez. Et voilà. D'avoir mieux à faire, hein, mais je sais pas comment raccrocher en fait. Peut-être pas paramétrer la touche, faut que je regarde ça dans mes configurations, peut-être. Il faut que je mette des trucs dans mon coffre aussi, dans la voiture. Toutes les merdes qui traînent, mais attends, je peux... Bref, voilà. J'espère que si la police est derrière, elles vont pas me gueuler dessus parce que j'ai doublé par la droite, hein. Je dis 2-3 minutes, un petit peu plus quand même, quoi. Je ne suis qu'en panto.
Là, lui. Qu'est-ce qu'il raconte? Le mot que j'ai entendu, c'est étrange quand même. J'ai l'impression d'avoir entendu le P-word. Sachant pas où peut y avoir des radars, hein. Je respecte les limitations de vitesse, ça coûte trop cher sinon. Faut que je fasse gaffe à l'essence aussi. Hop. Tatatam. Deux pour sonner. Voilà. Bon, et puis après Black Cat, hein. Rebonsoir. Aïe. Et rebonsoir. Vous pouvez rentrer sur le parking, j'arrive. Je récupère les médocs, c'est pour 3 tickets, on est d'accord. Hein. Exactement. C'est bien okay, ça. Bah, je récupère les médocs et j'arrive, vous pouvez rentrer, vous garer. C'est quoi, c'est vers le fond ou plutôt vers le début? Plutôt vers le début. Bah, vous allez voir, il y a une baie vitrée. Je vais passer devant aussi. D'accord, ok, très bien. Hop. J'arrive. Il hein. Y a les décos et tout, hein, vous allez bien voir. Hop. Mapping alors. Décidément. Non, on avait pas tourné longtemps si je passais pas du bon côté. Vous allez pas bien hein? Vas-y, c'est juste là, je vous inquiétez pas. Ok, ok. Donnez-moi les tickets, comme ça je vous donne les médocs. Ok, je donne ça tout de suite. Est-ce que vous avez besoin d'explications sur les médocs, tout ça? Absolument, oui. Un petit rappel. Ok, je vais faire ça. Laissez-moi juste prendre l'appel. Hop. Oui, bonsoir. C'est pas les antibiotiques, c'est ça? Vous pouvez rentrer sur le parking, vous garer, je finis avec un client et je m'occupe de vous. A tout de suite. Alors, dans l'ordre, je vais vous dire en même temps que vous les donnez comme ça. Ça sera oui, c'est plus pratique. Je dirai rien. Les antidouleurs, bah, c'est tout ce qui est mal de tête, fièvre, ce genre de truc. Ok. Les antibiotiques, c'est pour tous les problèmes gastriques, pour tous les types grippe aussi. Voilà, j'oublie rien, non, j'oublie rien. Les mouchoirs, c'est pour le rhume. Après, oui, bah avec cette saison, j'en ai bien besoin, oui. Oui, oui, exactement. Après, pour essuyer ses pleurs si vous êtes triste. Et également, si je vais voir un film au cinéma qui me fait pleurer. Tout à fait, tout à fait.
ou si vous sentez tout seul le soir. Enfin bref. Hop, les pommades. Ouais, mon âge, malheureusement, c'était il y a longtemps, ça. Ça fonctionne plus, vous inquiétez pas. Je vais pas les gaspiller. Ah. On n'a pas les pilules bleues en plus à Human. Ah, merde. Et les pommades, du coup, rougeur. Qu'est-ce qu'il y a, pommade rougeur, je paniquais. Coup de soleil, mais en ce moment, ça n'arrive pas trop. Ah oui, ce sera un peu mal. Avec la neige réfléchissante, à la limite, on peut choper un coup de soleil quand même. Hein. Bon, alors on peut, mais c'est assez rare, honnêtement. En hiver, ici, pas trop. Par contre, les engelures, si vous n'êtes pas assez... Ah oui, ça, par contre, oui. Ça peut vite arriver. Hein. Voilà, est-ce que j'ai tout fait? Je crois que j'ai tout fait, hein. Je vous ai tout donné, là. Bah, mais les quatre trucs. Ah bah, c'est bon. Ah bah, nickel. On est bon. Vous avez des questions? Est-ce que vous voulez essayer de tout redire pour voir si vous avez oublié ou pas? Oh bah non, je pense que à l'usage, je comprendrai toujours ce que je ressens, quoi. Si j'ai une douleur particulière, n'hésitez pas à contacter les médecins, ils vous répondront. Oui. Faut peut-être pas trop prendre tous les médicaments en espérant que c'est le bon. C'est... Oui, non, mais par exemple, voilà, si j'ai mal à la tête, je vais pas prendre une de la pommade, je me doute bien. Oui, bah en vrai, le plus dur, c'est antibiotiques et... Antidouleur. Oui. Antidouleur, parce que oui, effectivement, avec des engelures, vous n'allez pas mettre un antidouleur. Oui. Bah ça fait mal, donc il faudrait vouloir prendre un antidouleur, mais c'est pas le but. Ouais, mais ça va pas le soigner, quoi. Exactement. Sinon, on soignerait tout avec l'alcool. Ah, mais c'est une bonne solution, ça. C'est à la fois la solution et le problème, l'alcool, le plus souvent. Pas sûr. Vraiment, vraiment pas sûr. Écoutez, n'hésitez pas à contacter Human Labs pour acheter des médicaments. C'est moins cher qu'en pharmacie dans Lille. D'accord. Voilà. Après, je sais que pour les moyennes commandes et les grosses commandes, il faut mieux avoir un logement. Ah oui, là, j'ai vu votre pub, mais je ne vais pas acheter sans mouchoir comme ça, oui. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous voulez acheter des pansements un petit peu ou pas? Oh non, je pense ne pas en avoir besoin pour le moment, peut-être plus tard. Ok. Bah, n'hésitez pas en tout cas à passer. Ce moment, on a des petites réductions en plus. Je sais pas si vous avez vu dans le visage. Oui, j'ai vu sur les mouchoirs justement. Sur les mouchoirs et sur les pansements. Ah, les pansements aussi, j'avais pas vu. Oui. Voilà. Oh bah écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Ça marche. Je vous souhaite bon courage en tout cas. Ah merci, bonne soirée, bon courage. Bonne soirée. Et où le client? Et attention à la marche. Oui. Hop. Dilettante. BF, je ne sais pas, je ne connais pas, c'est trop cher pour moi. Hop, limiteur de vitesse comme d'hab. Et let's go. Bon, j'en ai pris 3 sur 6, c'était pour pas m'encombrer les poches. On va revenir une autre fois. J'ai poussé un peu pour que ça se lève. Bon. Ben, on redescend dans le sud. Et puis, faire le plein sur le chemin. Je crois que j'ai de l'argent. Hein. De fait, j'ai $185 sur moi. C'est moi qui n'étais pas en intérieur. Ma voiture ne faisait pas le poids, là. Kilomètres. Bon, après là je suis à 89, mais je pourrais être à 139 déjà sur l'autoroute. Let's go. Et c'est parti. La mesure de Blaine County.
Non, c'était pas ça. Il va me falloir tellement de temps pour retenir les touches. Ok, hop, clic gauche, remplir réservoir. On peut être à peu près 35-40 litres, je pense, vu où on était la jauge. Voilà. Ah, on va redémarrer cette fois. Bref, c'est parti. Bon, une Panto, ça fait vraiment le job, hein. C'est ridicule au niveau de la forme, mais ça fait du 139 km/h. C'est quand même pas mal. On atteint la limitation. À quoi bon voir une voiture qui ira à 200 km/h? Dans la mesure où mon perso respecte la loi. Donc maintenant, la seule chose au niveau des véhicules serait une voiture qui serait plus jolie. Une 4 places aussi. C'est ça l'objectif, d'avoir une voiture 4 places. Pas besoin qu'elle soit plus rapide que 140 en vitesse max. Faudra que je vois qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là. Vitesse 4 places, 140 km/h, et puis après, bah, si on peut avoir une bonne accélération, il vaudrait mieux avoir de l'accélération que de la vitesse. La Panto, dès qu'elle arrive à 130, elle s'arrête d'augmenter. Ça fait lentement après pour gagner des kilomètres, des mètres heure. J'ai combien maintenant dans mon portefeuille? Il me reste 103 $. Okay. C'était quoi ici déjà? C'est la mairie. Ah non, c'est pas ça. Miss Click. C'est la touche du téléphone. Est-ce que c'est bien ouvert Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas à comprendre. Alors. Antidouleur. Tac. 15 kilos sur moi. Restaurant, on va utiliser 3 tickets. Je vais le mettre là pour regarder le menu.
Discord. Hop. Weasel. Black Cat. Donc, 3 tickets. Ouvrir un navigateur web. Je peux pas l'avoir en plus grand. Merde. Bon, c'est sur Discord. Ok. Terre, qu'est-ce que j'ai là? Une poisson. Du Black Zero. Je prends du Orange 4. 18 Orange 4. Au niveau des plats, je sais plus ce que j'ai pris la dernière fois. Je pense. Sushi crevette. Hamburger, sushi crevette et. On va se griller. Ouais. Burger et 3 sushi crevettes. Alors, peu pour sonner. On va attendre. Et le souffle, il expire, on voit la fumée qui sort de sa bouche. J'ai vu un mec courir. Oh, on va attendre un petit peu. C'est une partie, ok. Non, elle vient pas. Écoutez, on va sonner, hein. On va crier fort. Alors, si, il arrive. C'est un employé. Et bonsoir. Bonsoir. Travaillez pas ici à tout hasard. Non, pas du tout. Là. Je suis pas trop la dégaine à bosser ici en plus. Oh, bah ça, je sais pas. Écoutez. Ouais. Vous avez sonné là? Pas encore, mais voilà, c'est fait. Ah, bah super. Merci. Bah, je vous en prie, moi aussi, je sais pas. Ouais, t'es la dalle, hein. Putain. Bonsoir, madame. Vous êtes ensemble, non? Vous êtes arrivé le premier, c'est ça? Je suis arrivé le premier et je ne suis pas en couple avec monsieur. Oui. C'est parce que vous auriez pu venir ensemble, c'est ça que je demandais. Ah oui, bah écoutez, tout est possible. Hein. Oui, tout à fait. On ne juge pas, écoutez, le monde est moderne. Tout à fait. En quoi puis-je vous aider? Je vais travailler sur les tickets restaurant contre de la nourriture. Ok, pas de soucis. Est-ce que vous savez pas des trucs trop sucrés, hein? J'ai peur qu'il fasse un infarctus. Oh, bah un bon burger, ça très bien, là. C'est plein de bonnes choses. Il y a du pain, là, ça. Trop gras. Non, mais pas trop gras. Faites attention à votre santé, quand même. Oui, je sais comment ça fonctionne. J'ai déjà pris une fois. Ok. Alors, vous voulez utiliser combien de tickets? Alors, je vais vous donner 3 tickets. 3 tickets, ok. Et vous voulez donc des burgers, c'est ça? Alors, 3 burgers et 3 sushis crevettes. 3 burgers et 3 sushis crevettes, ok. Je vais vous prendre plein d'orange 4. Ok. Et puis bah des frites du coup. Et des frites, tout à fait. Que des bonnes choses, bien saines. Oui. Est-ce que je peux avoir votre nom s'il vous plaît? Oui, Robert Bison. Est-ce que vous pouvez, à moins que vous les ayez
mis dans ma poche sans que je m'en rende compte, non. Est-ce que vous pouvez me donner les tickets, s'il vous plaît? Je vous les donne. Je vous remercie. Et voilà pour vous. Je vous remercie. Et je vais chercher votre commande, j'arrive tout de suite. Merci à vous. Parle, mais pas assez loin. Et bon appétit. C'est bon, j'ai plus besoin du menu. Hop. De toute façon, on se voit tout plus tard. Bisous, à tout à l'heure. Excusez-moi. Alors, donc, on a dit stack. Les burgers. 3. Les frites. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié la moitié, je reviens. Y'a pas de mal. Je vais où? Groupe 6, on verra après. Déjà jusqu'à la voiture. J'ai tout le reste, ça devrait être mieux. 3 sushis crevettes. 6 frites. Et les oranges, 4, 18. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Eh ben, impeccable. Si j'ai rien oublié, normalement c'est tout bon. Bah c'était bien 2 fruits par ticket, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vous en ai donné 6, hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est 2 burgers et 2 frites. Eh ben nickel, bah je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous, bon courage. Et c'est bien ça, c'est bien 2. Vérifie. Ah oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'avais en tête 6. Rien à voir. Hop. Inventaire. Burger, pizza. Sushi crevette, vas-y. Fais les sushi crevettes. Là, on va aller boire un Black Zero. Voilà. Et 23 dans les poches. Parce que. Peut-être pas mal de gars qui mettent des trucs dans le coffre de la voiture. Jusque là-bas. C'est moi qui m'embête à me garer ici. Alors, combien de place dans le coffre? 30, ça va, il y a de la place. Quantité, 2. Vas-y. 2. 2, c'est pas lourd. 2, 2. Les boissons, on peut les mettre là. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre de la bouffe? Les 3 burgers. Et j'ai pas besoin d'en avoir autant. Tous les trucs que j'ai récupérés. Hop, hop, hop. Les bouteilles d'eau. Si. Le gravier, on peut le garder. Le sandwich. C'est une frite en plus, là. Voilà. Il y a un truc rond. C'est bon, là. Combien de bouffe sur moi? J'ai plein de frites. J'ai les sushis de crevettes.
dont deux pizzas, ouais, non, pour la soirée, je pense que il y a de quoi tenir. Je pense avec ça, j'ai chaque truc, c'est le cas où je suis malade. Le gravier, ça peut l'enlever aussi. Les tickets médicaments, bah, je peux les enlever aussi. Voilà. Ça en garde dans le soda sprunk, pas besoin. Voilà. Frites. Je peux enlever encore une frite. Voilà. On est bon là. Ok. Bon. Maintenant. On va où? On fait quoi? Palapapam. On pourrait voir au concesse, mais... j'ai quoi d'autre comme ticket? J'ai pas des trucs à récupérer. Inventaire. Et restaurant, ça je viens de faire. Taxi. Réparation. Et puis je vais ranger les médicaments. Ouais, c'est 21h du coup. Bah, attendez, je peux peut-être enregistrer le numéro. Hein. Type là, qui m'a appelé tout à l'heure. Téléphone. C'était ça, 93-01. Alors, téléphone 93-01. Le contact. On va l'appeler RH. 6. Et... Tac. Message. Message. Bonsoir. Si. Vous. Let, parce que je vois pas ce que je pourrais faire d'autre là de toute façon. J'ai ma bouffe, j'ai mes médicaments. Cordialement. Hop. Du coup, groupe 6. Quoi faire barbier, ça sert à rien. Groupe 6. Groupe 6. Tac. Déjà. On a la direction. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je ne vois pas. Il y a le truc de la course, c'est où? Ah oui, c'est là-bas la course, non? Ouais, c'est ça. Écoutez, ça, je ferai ça demain après-midi. Si au groupe 6, on peut pas bosser seul, on m'occupera. Faute de farmer l'intérim. C'est quoi là-bas? Là-bas, c'est université. Ah, je serais curieux de voir les diplômes universitaires qu'on peut avoir aussi. Hop, 89. Je vais pas regarder s'il y avait un event ce soir. Et la page des events, j'ai envie de la regarder après. Oula, c'est un braquage ça. C'est récent en tout cas. C'est clairement un braquage. Juste par curiosité. Ça peut être drôle si moi j'attends que la police... Est-ce que les braquages minutes sont autorisés sur le serveur? Je vais peut-être avoir la réponse. Dans ce temps-là... Je regarde... qu'est-ce que j'ai? Oui, le site internet. Pop-up. Accueil... Alors, on est jeudi. Vente aux enchères de photographie. Tout ce qu'il y a. Demain, émission radio, 5 minutes avec.
Samedi 15h30, pêche et randonnée. J'ai pas mon permis de pêche, c'est trop cher pour l'instant. Sortie vélo le lundi à 21h à chaque fois. Sauf sort de Noël, évidemment. Parler trop fort. Oui, bonjour. Et rebonsoir, monsieur Bisson, je suis pas le PD6. Oui, attendez, il vient d'avoir un gros accident à côté de moi, attendez. C'est bon, je vous entends. Alors ça va être compliqué pour le moment, je suis assez occupé pour le moment. D'accord, bah donnez-moi une heure et puis comme ça j'avise, je m'occupe d'ici là. Je sais pas du tout, c'est pour ça. Ah d'accord, ok. Ça peut être dans 2 heures comme dans 3 heures. Ah là, bah écoutez, je vais faire autre chose en attendant, et puis au pire, ça pourrait être un autre... Si je suis couché quand vous êtes disponible, ce sera pour demain, il n'y a pas de problème. Oui, je vous rappelle dès que je suis disponible. On fait comme ça. Nickel, au revoir. Bonne soirée, bon courage. Ouais, très occupé le monsieur. Ok, bon, bah écoutez... Non, mais c'est peut-être pas un braquage qu'il fait, ou alors il attend la police. Bon, groupe 6, compliqué. Bah, je vais pas postuler ailleurs. Groupe 6, il y a une utilité. Je suis curieux, moi je veux voir ce qu'il fait. Il a l'air d'attendre. Non, ils s'en vont. Je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas braqué, ou alors c'est que les braquages minutes sont possibles. Bah si je jouais Crimi, ça m'intéresserait pas. Hein. C'est le moment, moi, d'aller à la boutique. Drôle. Attendez, c'est... Maintenant, je suis pas supposé savoir. En même temps, je ne joue pas sur le fait de savoir. Non, bah oui, je peux. C'est pas du méta. C'est pas ça. Et bonsoir madame. Achat, sandwich, ciseaux, parapluie, lunettes, paquet de cigarettes. 100$ le paquet de cigarettes, ouais quand même. Roche chocolat, parapluie, jumelles. Oh, les jumelles. Il y en aura l'usage. Ouais. Ouais, non, le reste va attendre. Hein. Oh, je vais pas claquer mon pognon. Bon, bah du coup, pas l'entretien que je pensais avoir. Peut-être passer le permis poids lourd, ça sera fait. Voir à l'université qu'est-ce qu'ils font. Curieux de voir l'université, les diplômes qu'on peut avoir. Quoi ça? Federal Training Center. Et puis après, passer le permis poids lourd, je pense qu'il y en aura besoin pour le groupe 6 de toute manière, donc comme ça, ce sera fait. Bon, allez. Eh ben allez, allons à l'université voir... Mais attends, maintenant on peut ouvrir. Hop. Boisson. Et puis let's go. Bon, ils ont pas braqué, ou alors la police avait autre chose à faire.
Faut-il occuper pour 2 ou 3 heures? Je pense qu'on va partir du principe que c'est pas pour ce soir. Postuler ailleurs sinon? Bon, je sais pas. Et les taxis, ça permettrait de voir du monde, comme il disait l'autre, de voyager un petit peu au moins. Voilà. Mais le groupe 6, l'avantage, c'est que ça aide pour la police en fait. Il y a quand même un intérêt pour la suite à rejoindre le groupe 6. Ok, alors hop, hop, hop. Excusez-moi. En plus, Tacos, on peut le faire sans solo. Alors que groupe 6, c'est pas garanti. Alors, c'est où exactement? À gauche. Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Bonsoir, monsieur! Alors, ouvrir le menu. Agronomie, brasseur, chasse, chauffeur, convoyeur, droit et bouffeur, journaliste, mécanisme, médecine, logis, pêche, police. Ah, formation de police. Convoyeur. Ah, ok. Les métiers, mais pourtant les boueurs, non. Pourquoi? Brasseur, chasse, convoyeur et boueur. Journalisme. Restauration, d'accord, ok. Bon, les métiers, il y a à chaque fois une formation. Je sais pas si après il y a des trucs à faire ou juste tu payes et puis c'est réglé. Ça serait une dinguerie s'il y a des scripts derrière. Et bah allez, permis poids lourd. Attendez, c'est... Je comprends toujours, hein, je vais jamais y arriver. Le permis poids lourd, on va s'entraîner un peu à la course, et puis sinon, si on n'a pas de nouvelles, on s'arrêtera là prématurément ce soir, mais c'est pas grave. Hein. L'avantage, de toute façon, c'est que je suis plus dans l'urgence financière. J'ai bossé, j'ai farmé 5... Non, attendez, combien de fois je l'ai fait? 4 fois, je crois. J'ai reçu 4 500 $ de la part de l'ENA, qui est le truc d'aide aux nouveaux arrivants. Ah, franchement... Ça régale. Que c'est fait pour payer tous les permis. Et même avec un surplus pour de la nourriture, des vêtements et tout. Donc, t'es nouveau venu, en fait, t'es pas dans la merde pendant un bon moment. Tant que les tickets qu'on a au début. Donc, je sais même plus combien j'en ai eu. 6. Je crois que j'ai 6, 12 tickets de restauration dans les deux trucs. Donc, au niveau bouffe, on est bien pour un bon moment quand même quand on arrive. C'est plus après, effectivement, si on n'a pas de boulot, la nourriture, elle est chère. Donc on peut pas ne rien faire, en fait. Le chômage tout seul ne permet pas de s'alimenter. Honnêtement, on n'est pas mis dans la merde pendant avant un long moment, en temps de jeu. Quoi, 20, 30, 40 heures, je saurais pas dire, avant d'avoir à acheter de la nourriture sans les tickets. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Je crois qu'il faudrait que je mette ma voiture dans un parking au cas où il me fasse des pop. Je pense que c'est une bonne chose à faire, sinon il va se retrouver à nouveau en 1003, alors que là il serait pas trop loin. Je le mets, je le sors. Comme ça, moi, mon véhicule est en ville. Parce que là, si mon véhicule dépop, je pense qu'il retourne en 1003. Tout au nord. Donc ça ne m'arrangerait pas, hein, clairement. Hop.
off. C'est où déjà? C'est là. Hop. Alors. C'est pas ça. Je n'y arriverai jamais. Hop. Ranger. Non, il n'a pas voulu. Ranger. Vider le véhicule pour le ranger. Sérieux? Sérieusement? C'est compliqué ça. Ah ouais! Ah putain, d'accord. C'est ok, c'est compliqué ça par contre. Ok, bah. Tout déplacé. Tout déplacé. Ouais, ça je savais pas ça. Effectivement. Eh, bonsoir monsieur! Ouais, c'est... Ça remplit bien les poches, du coup. Ok. Donc là, elle est rangée dans le garage. Là, je peux la ressortir. Nickel. Par contre, l'essence, je suis déjà mal. Alors, c'est quoi la ceinture? C'est ça. Donc, permis camion et essence. Camion. Ouais, c'est pas là le permis. J'allais encore retourner au mauvais endroit en fait. C'est là. J'allais encore aller au truc de bateau, moi. Ah mais attendez, peut-être que il me le paierait le permis. Lourd. C'est 500$, honnêtement. Un truc à faire en moins si je fais au groupe 6. Hop. Putain, déjà je connais pas bien la ville, mais alors quand il y a la neige, je reconnais encore moins. Ok, donc là il y a le concess. Est-ce qu'on y va? Non. Les cas, on va pas dépenser maintenant notre argent dans un véhicule, donc... Rien de se poser la question. Il y en a beaucoup en fait qui ont gardé la Panto et qui l'ont boosté. Hein. Bon, il faudra que je pense à l'essence. C'est mon truc que je risque d'oublier. Il y avait un parking plus proche. Là, ça me ferait quand même pas mal de trottes. Alors, on va partir du principe que ça va pas des pop. On a la foi. C'est bon. Ah, mais j'ai pas assez d'argent. C'est 500. Voilà ce que c'est d'être con. Oh, super. C'est que j'ai pas assez d'argent. Ils prennent que le liquide. Essence, parking. Boutique. Ah, il y a une boutique et de l'essence. Bon, on va aller là. Et là, il y aura bien un distributeur.
pas clair là. Et... Hop. Wow, 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 wow. Aucune maîtrise du véhicule. Dans l'autre sens. WFK. Non, pas besoin de faire le K. Hop. Le réservoir. Rajouter 40 litres. Oh non, même plus. Ok. C'est... Du coup, prendre 700, retirer. Pour pouvoir faire des pleins et payer le truc, on va prendre 700, hop. Elle n'a pas assez d'argent. Sérieusement? Merde alors. D'accord, il n'y a même pas... limité en termes d'argent. Ah mais d'accord, ça sert à ça les convoyeurs. Mais d'accord. On va aller directement dans une banque alors. Ils veulent vraiment pas que je passe mon permis ce soir, hein. Ok. Bon, bah écoutez. Pas de banque à l'horizon en plus, elle est loin. Bah écoutez, ouais, si on va aller à la banque, mais c'est chiant. Mais j'ai quand même une galère perpétuelle, moi. Hein. C'est... Dès que je veux faire quelque chose, je peux pas. Mon perso, il tombe malade en permanence. Panne d'essence. Véhicule qui dépop. Et putain, il est poissard, bison, depuis son arrivée, incroyable. Je l'ai fait pour faire du loose RP, mais je le pensais voulu, en fait, de mon initiative, le loose. Même pas besoin, j'ai rien à forcer, ça tombe tout seul. C'est pratique. Bah, c'est moins utile, parce que c'est tout seul dans mon coin, que je me prends du loose en permanence. L'intérêt du loose, c'est de donner une victoire à l'autre en face pour lui faire plaisir. Alors, c'est comme, ça. Alors, c'est dans ce sens-là. L'incendie est en cours en 36. C'est quoi, Dimitri? Ça, c'est là-bas. Là-bas. Ok, c'est là où j'avais hésité à aller et moi, j'ai bien fait de pas y aller. Ah! Oh putain! Alors, ouvrir menu. Retirer, du coup, on est... bah, je vais prendre 800, du coup. Nos incendies également courent en 1080. Bon, là, je peux, oui. Il y a de l'argent dans la banque, quand même. C'est un cas vraiment sympa, le virement de 4005, là. Ok. Bon, bah là, je peux aller le faire, mon permis. Hop. Concessionnaire bateau.
Ok. Et après, on pourrait aller à l'hôpital, juste donner notre sang, s'il n'y a pas trop de monde. Histoire d'avoir une interaction. Tant que j'ai pas de boulot, hein. Un peu en solo. Comme Anne. Ok, donc. Tac. V. Et hop, voilà. Ouf, super. C'est un échec critique. Même aller à l'hôpital pour prendre tout de suite peut-être un rendez-vous pour le PPA en disant je postule au groupe 6. Ça peut être aussi un truc pour gagner du temps. Bon, la voiture, tu dépopes pas, s'il te plaît. Hein. Hop. Alors, c'est dans cet ordre-là. Hop. Entre, il a rien pouvoir avoir dans la voiture. Ça oblige un peu à avoir un appartement rapidement, parce que mes poches vont être pleines si je dois porter une arme. Si on peut mettre jamais mettre les véhicules dans les parkings avec quelque chose dedans, je vais être gêné, en fait. Eh hey, bonsoir madame. Permis... Ah non, c'est 1500 le camion, hein. Ce qui... Putain, mais mon loup, j'ai pas assez d'argent, quoi. Oh, mais quel enfer. Putain, bon allez, on abandonne. Mais bon, allez, c'est bon. On passera le permis s'il faut le passer pour le boulot, hein. Mais bon, j'en ai marre, là. Robert Lapoisse, il en a plein le cul. Vas-y, on va faire un don du sang, ça va nous occuper avant d'arrêter. À mon avis, il n'y aura pas de réponse. L'autre a dit 2 ou 3 heures, enfin ça peut être 2, ça peut être 3 heures. À mon avis, c'est mort. C'est mort pour ce soir, c'est un échec critique. Donc on va aller donner notre sang. Il n'a pas de voiture lui. Bon, on va laisser marcher le business des taxis s'il y a besoin. C'est pas moi qui vais lui proposer de le conduire, personne fait ça à vraie vie. Hein. Allez. Sirène à tout bas là. Bon. Oh. Ah oui, par contre, oui, donner mon sang, brave. Faire perdre de la bouffe et de la nourriture. C'est pas grave. What? Alors, inventaire, manger, pizza, là, ensuite on va boire, il est où, autre truc, avec zéro, utiliser,
Et bonsoir docteur. Et bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Oh bah je... au top de ma forme comme vous pouvez le voir. Et oui. Je viens vous donner mon sang si vous avez le temps. Hop. Oui bien sûr. Laissez-moi juste. Hop. Je vois que vous êtes un petit peu égratigné. Ah, j'ai hâte pas de tomber dans la neige, je me suis peut-être abîmé un petit peu, oui. Au niveau des genoux, c'est ça. Les marches sont un peu hautes et elles glissent des fois. C'est ça. Hop. Nickel, allez, venez avec moi. Ah, je vous suis. C'est une soirée calme ou pas, c'est aujourd'hui? Pour l'instant. Ah, le calme avant la tempête, vous redoutez le pire. Oui, si on fait comme hier. Ah, c'est compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Bah écoute, je vous souhaite que ça aille. Oui, de toute façon, ça va aller, hein. On n'a pas le choix. Hein. Au moins, vous ennuyez pas. Ah non, on n'a pas le temps. Original comme ça, tu. Vérifier. Hop, c'est bon, il n'y a personne. Nickel. Hop. Attendez. Votre nom et votre prénom, s'il oui, vous plaît. Oui, c'est Bison Robert. Et comment on... B-I-Z-O ou S-O? S-O-N, comme un bison. Ok, Robert, nickel. Ok, nickel. Là, on est bon. Hop, allez, je vous pose des petites questions de visage. Est-ce que vous avez bien bu, bien mangé? Oui, je viens de manger une bonne pizza avec un soda juste avant. Nickel. Est-ce que vous avez consommé de la drogue ou de l'alcool pendant les 8 dernières heures? Jamais de ma vie. Est-ce que vous avez des rapports à risque depuis votre dernier don du sang? Si seulement. Nickel. Vous avez pas peur du sang, pas peur des aiguilles? Non, je veux pas peur, mais j'aime pas ça non plus. Bon. Hey, je vais prendre votre bras. Mais je regarde d'ailleurs, je veux pas voir. Je vous mets le gars au... Mais regardez au-dessus de mon épaule, là, derrière, sur le comptoir, il y a un nounours. Ah oui, j'en ai eu un cadeau de Noël en avance aussi. Ah... Vous pouvez me trouver un nom pour ce nounours, par exemple? Ah bah, Teddy, hein, la base. Bah non, c'est trop simple. Hop. Ah, je sais pas, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Ah oui, vous aimez rien, d'accord, ok. C'est sympa, non. Votre vie, vraiment. Non, mais je vous avoue que... J'ai pas trop le temps pour faire des hobbies ou des choses comme ça. Bah, vous avez qu'à l'appeler Lapin. Lapin? Oui, pourquoi pas. Ça, tu me diras, mais c'est un ours, pourquoi tu l'as appelé Lapin? Ouais, voilà. Ouais, tu l'as appelé Lapin pour faire parler les imbéciles et ça marche. Exactement. Ouais. Je trouve ça se tient. Hop, est-ce que vous avez une préférence au niveau des pansements? Oh, bah, couleur chair, classique, je laisse les Hello Kitty pour les autres. Ah, mais on n'a pas que ça, hein. On a tous les pansements que vous voulez. Hein. Si vous voulez un Power Ranger, si vous voulez un Rudolph Lorraine, on a tout. Hein. Là, vous avez les Tortues Ninja? On a. Oh putain, je veux Leonardo. C'est le bleu ou l'orange? Non, c'est le bleu. C'est le bleu. Là, c'est, ouais, c'est Michelangelo, l'orange. L'orange, oui, exact. Ou Raphaël, d'ailleurs, je sais même plus. Non, Raphaël, je crois que c'est le... C'est rouge et Donatello le violet? Ouais, je crois, ouais. Après, je suis pas un expert là, je vous avoue. De toute façon, tout le monde préfère le bleu. Oui, c'est vrai. Ouais, les katanas, hein, tout de suite. Oui, et puis même la couleur de l'espoir. Ah mais oui. J'avoue, plus les katanas. Hop. Allez, on est tout bon. Est-ce que je peux vous offrir une petite collation? Ah bah, je suis preneur, oui. Les têtes qui tournent un petit peu à chaque fois. C'est... Une petite boisson chaude, quelque chose à manger plutôt. Vous préférez quoi? Un truc, un donut par exemple si vous avez. Nickel, voici pour vous. Oh génial! Allez, je vous laisse vous habiller le temps que je mette à jour
votre dossier. Hop. Non. Et du coup, je vous demande de pas trop solliciter Laurent pendant les 10 prochaines minutes. Et le pansement sera retiré d'ici 2 heures. Ok, très bien. Il est 20h01. Hop. Allez, on est tout bon, je vous raccompagne. Ah, je vous suis. Hop. Merci. Pas de soucis. Ah, il y a le rouge, il a les sortes de tridents, là. Les sensei, un truc comme ça. Attendez. Ah, ton petit speak a lâché. Attendez, je relance TeamSpeak. Favori, attends, jump click. Excusez-moi, j'avais des bouchons d'oreilles, ça me fait ça des fois après la piqûre. Tout va bien ? Oui, j'ai eu des bouchons dans les oreilles, là d'un coup, j'entendais plus rien. Mais je vous disais, le rouge, il a les sortes de tridents, là. Moi, j'aimais bien parce qu'il est les mêmes que Carmen Electra. J'aime bien Carmen Electra. Ah oui, dans la série, là. Ouais. Mais quoi, Tensai, je sais plus comment ça s'appelle, ça. Oh, je sais plus du tout. Bon. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous. Bah, vous aussi, je vous souhaite une soirée calme, mais pas trop. Nickel. Portez-vous bien. Merci, au revoir. Bonne soirée, monsieur et dame. Allez, tout le monde est arrivé d'un coup, là. Oh. C'est bon, mais c'est pas gaufré. Ouf. Ok, bon, bah là, de toute façon, je pense que le mieux, c'est d'arrêter. Attendez, je check un truc. Le Discord. Ouais, allez, hein, je crois que je vais arrêter là. C'est très court, mais en même temps, pour le boulot, c'est... Il est pas dispo. Je pourrais... C'est quoi, ça, déjà? Je sais même pas ce que c'est. Si, c'est tenu, ça. Il y a plein de boulots qui recrutent. Je vais checker, attendez. Sur le site internet. Les métiers qui recrutent. Alors, loisirs, machin, vos démarches, emploi. Dans le sud, on a le Belize. Non, pas du tout intéressé. Groupe 6, Black Cat, pas intéressé. SPD, ben on attend. Ça dit fermé, mais on attend. Roger, le truc de recyclage, donc les éboueurs, bof. Textile. Taxi, c'est incertain. En fait, vraiment, clairement, qui recrute? Groupe 6, Beniz, Black Cat. C'est les trois où ça dit, oui, on recrute à fond. Donc, groupe 6, quand même, est plus logique. Et dans le nord, tac, il y a le vin, les bûcherons. Non, le plus logique, vas-y. Clairement, groupe 6, c'est tellement plus logique pour ce que je vais faire avec mon perso. Pour l'emploi. Ouais, je pense que le mieux c'est d'arrêter là, on verra demain. En attendant, je vais... Tiens. Ah, ce truc, il est... Ok. Sur la map, carrément, que le truc il est gris, comme ça. Non, moi je retourne bosser, faire du farm pour ce soir. Dommage, hein, stream très court, du coup, on va aller au parking, là. Là. Ouais, j'ai été payé. Hop. Ceinture. Limiteur de vitesse. Et let's go. Hop là. Dangereusement, lui. Faut tourner là pour le parking. C'est par la gestion de bar, gestion, rejoignez l'équipe au jack. Oui, bah, non. J'ai déjà été patron de bar. Faisons autre chose. Hop. Ceinture, on ouvre. Verrouille pas. Fissure. Aucun véhicule dans le garage plein. Ah ouais, ok.
Merde. C'est pas ce truc. Bah allez, on va aller là. Meilleur patron de Yellow Jack. Comment ça s'appelait le ton truc dans le nord, toi, Bob? Le restaurant où t'étais. Je me souviens plus comment il s'appelait. Parce que je me souviens du Hookies, qui était le resto où tu bossais sur Tenesia. Non, sur le même serveur, sur la bêta de Vice. Et c'était là où j'étais patron de Yellow. Toi, tu bossais avec ton redneck, avec Rick. Comment il s'appelait ce truc? À côté de Paletto. Ah merde, je pars pas du tout dans la mode action. Wouah, putain. Écoute, t'arrives au... Ça fait un moment que je dis, bon allez, là on va arrêter de jouer, parce que le problème c'est que j'attends pour mon entretien avec le groupe 6. Le mec il est pas dispo, il m'a dit, ouais ça peut être dans 2 heures, comme dans 3 heures. Ah bon bah... Il y a d'autres boulots qui recrutent, mais honnêtement je les trouve moins logiques. Vu que je veux bosser au LSPD, bosser au groupe 6, ça serait déjà une première étape. On prendrait de l'avance sur plein de démarches, on me dit vas-y, au groupe 6. Mais n'étant pas sûr d'avoir le type ce soir, je pense que je vais arrêter là. Bayview, c'est ça. Wow, putain, ils conduisent bizarre les gens ici. Exactement, le Bayview. Non, après, franchement, quand je bossais au bar, c'était cool parce que c'était le moment où le serveur était rempli et tout ça. Tous les soirs, il y avait 10 personnes au Yellow. Dans le sud, il y avait encore aucun bar, donc les gens montaient. C'était le bar à bagarre. Je sais pas si tu te souviens, il avait sa petite réputation et on en était fiers. C'est où? C'est là. Mais du coup, après, quand le serveur a commencé à se vider et que le staff ne comprenait absolument pas ce que moi, le but, c'était que ça se passe bien, mais je leur expliquais, non, mais on peut pas... Ah putain, j'ai la dernière place de libre. Le parking va être plein après moi. Et le staff qui était à l'époque ne comprenait pas quand je leur disais, mais ça va pas être possible économiquement de payer les salaires avec ce qu'on gagne, puisque les gens n'ont pas le besoin de boire de l'alcool, ils ont juste acheté des bouteilles d'eau. Ils ne comprenaient rien, les types. Où est-ce que je peux me mettre un peu à l'écart, là, pour pas d'écho au milieu? Après, moi, ils m'ont pas dit d'aller niquer ma mère, hein. Ça va encore. Mais toi, voilà, toi tu servais des repas et tout, les autres, moi c'était que, enfin que je dis moi, mon entreprise c'était que de la boisson, mais sauf que tu pouvais acheter des bouteilles d'eau 2$ je crois, donc vas-y je vais déco, c'est plus logique d'installer je crois, hein, de ce déco là. On va arrêter ici, faut que j'attende qu'il me dise position sauvegardée aussi, histoire de bien repop ici et pas... vers la position toutes les minutes à peu près. J'ai pas les moyens de m'acheter un logement encore. Mais déjà voilà, économiquement moi je suis plus dans le besoin du tout. Hop, on va se boire un petit truc. Black Zero, hop, teasé. Alors je sais pas si je porte un sac, est-ce que je peux avoir plus de kilos sur moi. Mais dommage quand même que je puisse pas rentrer mon véhicule avec quelque chose dans le coffre. Ça enlève vache. Enfin, après, je comprends aussi la logique, les mecs qui te servent de leur véhicule comme d'une mule, ils laissent dans les parkings, là, effectivement, c'est une explication logique de pourquoi on empêche... Ah merde, j'ai... Bah oui, non, j'ai tout sur moi, là. Voilà, j'ai 21 kilos sur moi. Bon, bah, pas de nouvelles. Prise. Non, de toute façon, je peux même pas voir si elle est ouverte. Il n'y a pas le... 6. Il n'y a pas de raison que ça s'affiche. Weasel, performance, Fit Rafter, Sentinelle classique, 100 000 négociables. Moi j'ai 8 000$ je crois à peu près. Du 6 au 13, il y a le truc de la course. En fait c'est un contre-la-montre qu'on fait ici. Mais je vais pas faire ça, je ferai ça dans la journée demain. La soir, je vais faire autre chose hein, de mon côté. Allez. Eh ben, je coupe là. Du coup, bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Et j'espère demain qu'on aura notre entretien avec le groupe 6. Histoire de commencer à bosser réellement. Hein, pas juste faire du farm
dans le nord, parce que du coup, ça veut dire que demain, dans la journée... demain j'ai pris ma journée, donc j'aurais pu bosser armé, mais bah, non, du coup. Allez, bonne fin de soupe, enfin, bonne soirée, parce que moi, elle est à peine entamée, c'est un stream très court. Mais c'était le risque d'attendre trop longtemps, sinon, donc on arrête maintenant, et à la prochaine.